En direction pour la seigneurie du Triton, une pourvoirie qui a plus d'un siècle d'existence et dont la réputation n'est plus à faire. On est en Mauricie, dans la municipalité de Lac-Édouard. Au menu aujourd'hui, de la pêche à la truite mouchetée indigène, au lancer léger et aussi à la mouche, un bon repas sur le bord de la rive et plein d'autres activités en plein air. Je suis en compagnie d'Annie Tremblay et Nicolas Bernard, les copropriétaires de la Seigneurie du Triton. Annie, j'aimerais savoir d'abord la petite histoire qui se cache derrière la Seigneurie du Triton, parce qu'au départ, dans la fin des années 1800, c'était un club privé. Exactement. Et c'est assez impressionnant, cette histoire-là, parce que c'est un monsieur qui venait ici, en réalité, pour trouver où est-ce qu'il ferait passer la ligne de chemin de fer qui relie aujourd'hui Montréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Donc, ça s'est fait tout à fait par hasard, parce que lui, ce monsieur-là, donc, s'en allait à la retraite. Et quand il a découvert l'endroit ici, comme c'était un amateur de pêche, de chasse et de plein air, il s'est dit, on est au paradis, pourquoi pas faire quelque chose avec ça? Bien entendu. Et voilà, donc, il est allé voir le gouvernement pour obtenir une petite portion de territoire. Ils lui ont remis un territoire qui comprenait quand même plus de 200 lacs. Oui, c'était énorme. Vraiment grand. Et là, donc, à l'origine, il invitait ses amis pour venir pêcher et chasser. Mais à un moment donné, les amis lui ont dit, écoute, avec le potentiel que tu as là-dessus, pourquoi pas faire quelque chose à plus grande échelle? Et c'est là qu'est venue l'idée d'en faire un club privé, qu'il a fondé en 1893. Puis, bon, les bâtiments ici ont été construits par la suite. Les gens venaient par train parce que c'était la seule voie d'accès. Puis il venait passer quelques nuits à l'auberge pour ensuite partir en expédition sur ce grand territoire-là pour aller le découvrir. Il y avait des petits camps un peu partout où est-ce qu'il pouvait passer la nuit. Donc, c'est des expéditions là, qui s'organisaient, qui étaient quand même assez intenses. Donc, il y avait des guides qui les accompagnaient. Il y avait du portage à faire entre chacun des lacs. Il fallait qu'ils transportent les canots, la nourriture. Les Américains voulaient avoir des œufs frais le matin au petit déjeuner. Donc, il fallait amener des cages à poules, évidemment. Exactement. Et il y avait même certaines personnes qui avaient droit aux chaises à porteurs aussi. Donc, il y avait juste à s'asseoir puis ils se laissaient transporter d'un endroit à l'autre. Dans les années 1970, au moment où est-ce que le déclubage est arrivé ici au Québec, ben là, c'est devenu presque à l'abandon. Les Américains possédaient encore un 4 km² de terrain, ainsi que la grosse auberge ici, le Clubhouse. Donc, c'est devenu tranquillement à l'abandon. Ils se désintéressaient un petit peu de l'endroit. Mmh. Puis par la suite, ben, il y a des Québécois qui ont décidé d'investir ici pour pouvoir ouvrir au public à ce moment-là, pour pouvoir faire venir des gens ici, pour faire des activités de plein air à l'origine. Puis par la suite, donc, c'est devenu un petit peu plus pour la pêche également. Et la chasse. Donc, le partage un petit peu entre tout ça. Puis ben, aujourd'hui, depuis 1995, c'est l'entreprise familiale. Alors la suite, c'est Gilles Tremblay, votre père, en fait, qui a repris la seigneurie par la suite. Oui, exact. À l'origine, ils étaient quelques actionnaires, donc dont Monsieur Paul Plourde de la région de Québec. Donc, ils étaient copropriétaires ici. Donc, par la suite, c'est devenu l'entreprise familiale. Donc, nous, on y est depuis 1995, installés ici avec la famille. Puis là, ben, la troisième génération qui est en train de pousser tranquillement. Qui sait? Qui va peut-être prendre le relais. Et mais parlez-moi de l'offre d'hébergement, parce que bon, on a vu la superbe auberge, les pavillons. Vous pouvez accueillir chaque combien de personnes ici au total qu'on prenne, par exemple, chasse, pêche, plein air, toute activité confondue? Donc, ça va jusqu'à une centaine de personnes sur place. Donc, ils peuvent venir en auberge, en chalet également. Puis, on a un site qui est aménagé avec des tipis aussi là, pour les gens qui veulent découvrir ce type d'hébergement. C'est dénaturé complètement. Exact. Avec quelle canne j'ai pris ça? On y est. Et voilà. Ouah! C'est une belle truite, good job. Cette belle truite mouchetée indigène de l'après-midi qui commence à vouloir mordre maintenant. Alors, ben, je vous en amène une. On m'avait demandé d'en rapporter. J'ai fait, bon, pas le choix, je vais me dédier à la cause, ce que je fais. Bon! Yeah! Oh, good job! Mieux que l'autre d'avant, en plus. Yes! Et voilà. Et qu'elle est jolie. Là, je m'excuse, Antoine, mais tu sais, c'est 2-0. Exactement. C'est 2-0.
Bon, ben, dans le panier. Fish. Ça y est. Fish. Je vais te donner une shot, hein? Wow! C'est une taille appréciable, tout de même. Wow! Ouais, ça, c'est du beau. Vraiment belle. Là, voilà. Oh, excellent. Ouais. T'as vu comme elle est belle? Magnifique. Elle est superbe. Les couleurs, là, c'est fou, assez exceptionnel, hein? Franchement. Merci, Antoine. Hein? Regardez ça. En plus, avec le soleil, on voit vraiment bien, là. Les nageoires sont toutes rouges. La queue aussi. On est en plein mois de mai. Wow! Elle est incroyable. Quelle belle truite. Question de se refaire des forces pour l'après-midi, il n'y a rien de mieux qu'un bon shore lunch. Et c'est ce qu'on vous offre ici, que vous soyez en plan américain ou européen. Un super repas 4 services qui vous est servi durant toute la saison de pêche, beau temps, mauvais temps. Bon appétit, madame. Merci beaucoup. Ça va être bon, ça. Aujourd'hui, les gars, on vous donne une canne à pêche. Ça vient de la Fondation de la Faune du Québec. On vous donne ça parce qu'on veut encourager le relève. On s'assure qu'on va avoir des pêcheurs dans le futur. Fait que vous allez avoir un bon départ avec tout le matériel qu'il faut pour aller à la pêche. Voilà Alex. Et voilà mon gars. Fait qu'on va vous installer ça. On va aller à la pêche. On va aller essayer ça, ce matériel-là, puis s'assurer que vous savez pêcher pour les prochaines années à venir. Vous acceptez avec joie de participer à la thématique du pêcheur généreux avec l'Association des pourvoiries de la Mauricie. Pourquoi c'est important pour vous de le faire et vous avez choisi de donner à qui? De quelle façon? Cette année, on a décidé d'inviter la petite école du Lac-Édouard. Donc, c'est une école avec 3 élèves. On est très fiers de cette école-là au Lac-Édouard, ouais, qui a été remontée avec beaucoup de travail. Et, ça a pris quelques années, quand ça même. A pris 6 ans pour refaire l'école. Et les jeunes, on les a invités cette année pour avoir un petit cours de pêche à la mouche, un petit cours de pêche au lancer léger, les initier le plus possible. Et on fait chaque année également des programmes avec X Nature, où est-ce qu'on invite des écoles sur le site pour initier les jeunes et inviter les jeunes à profiter de la nature sous toutes ses formes. Donc, ouais, autant au niveau du trapage que de la chasse, de la pêche à la mouche, de la survie en forêt, de l'observation des étoiles ou autre, on aimerait ça que les jeunes lâchent leur petite tablette électronique et viennent s'amuser avec une canne à mouche. Ouais, assurer absolument une relève, finalement, ouais, pour les activités en nature. Des prochaines années. En voilà. Olivier, une des particularités de la pourvoirie, c'est que chacun des 12 lacs qui sont exploités ont tous une frayère, qu'elle soit naturelle ou qu'elle ait été aménagée. Oui, oui. Puis on s'en sert en fait pour faire de la réintroduction d'alevins. À chaque année, on va venir déposer des alevins dans les lacs. Donc la truite, juste après l'éclosion de l'œuf, elle va se développer dans les frayères puis elle va retourner dans les lacs. Ça nous permet, nous, en fait, de compenser la pression de pêche qu'on met sur le territoire. C'est de la truite indigène qu'on réintroduit. C'est une truite qui provient de géniteurs qui sont prélevés sur le territoire. Puis elle, elle va se développer dans le lac naturellement, comme une truite le ferait normalement dans la nature. Ça nous permet de garder une belle qualité de pêche, une bonne population au niveau des lacs. Puis en même temps, on garde une truite qui vient du territoire, qui est naturelle. On la voit dans le fond? Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas laid. C'est joli, pas laid, ça. Une mauvaise journée à la pêche, c'est toujours meilleur qu'une bonne journée de bureau. Hein? Oui, c'est ce qu'ils disent. Oh, elle est partie, la madame. Prends-la tranquille, là. C'est les gros sont tout le temps ça. T'as l'impression d'être pris dans le fond. On sera peut-être pas parti du club des deux livres tout de suite, mais tu sais, la journée commence. Okay. Non, ça doit être un... OK, moi, ça a cassé. Ça a cassé ma mouche. C'est vrai? On y va? Là, voilà. Woohoo! Ma première de la journée. J'en ai une aussi. Un doublé. Faut qu'elle se poigner dans le moteur. Ouais, idéalement. Oh boy! Ouais, ouais, ouais. Par ici, ma belle.
Yep. C'est beau, ça! Certain que c'est beau, ben quand même, c'est très, yes, très beau. Sir. Avec une petite Mickey Finn. Je crois, Nicolas, moi je sais comme ça, mais peut-être que le lancer léger aurait plus de succès. Oh oui, c'est beau, ça. Oh! Oh! C'est pas dans, c'est pas dans le livre, là, t'es juste à voir les couleurs, là. Oh! OK, allez, hop. Oh oui! Yes! Regarde ça, elle a lâché l'hameçon en tombant dans la puise. Regardez ça, belle indigène. Ici qu'on a pris, regardez les belles couleurs sur la badane ici. Elle est magnifique. Let's buy a little white house on the corner of nothing and nowhere. Vacances Nature était une présentation des bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook de Vacances Nature.